C'est lors d'un trajet qu'ils utilisent régulièrement entre le tribunal de Los Santos et la prison de Sandy Shore que le bus pénitentiaire transportant le célèbre criminel Hayden subit une attaque en traversant le tunnel. Un camion et trois véhicules foncent et séparent le convoi en deux, les obligeant à s'arrêter. En quelques secondes, un groupe de commandos qui semble être composé de 6 personnes fait irruption et ouvre le feu. Des personnes lourdement armées, habillées en noir et cagoulées, pointent leurs armes en direction de la police et des agents pénitentiaires. Une attaque extrêmement violente, qui visiblement avait été préparée minutieusement. L'objectif, l'évasion de Hayden le panda. Un détenu âgé de 30 ans, né à Paris. Il a participé en juin 2023 à l'évasion spectaculaire du criminel Lassalle, toujours recherché à l'heure actuelle. C'est lors de cette évasion que le panda s'est fait attraper. Depuis son évasion, le plan épervier a été déployé. 500 policiers de Los Santos, de Blaine County ou encore du Nevada sont à la recherche de l'individu et de ses complices. Partout, des barrages ont été mis en place. Pour l'instant, nous n'avons aucune information, mais la course contre la montre pour remettre Hayden le panda en cage a commencé. Très lourd bilan côté des forces de l'ordre. 10 personnes ont perdu la vie et plusieurs agents sont entre la vie et la mort. Ok Lassalle, ok les gars, le plan il va être très très simple. Le convoi pour Hayden il partira très très tôt le matin. C'est là que l'équipe A, composée de Lassalle et moi, on se placera au niveau de la montagne juste en face de la prison. On vous tiendra au courant du nombre de véhicules qui transportent le bus. On vous tiendra également au courant du nombre d'individus. Une fois qu'on aura checké ça, on se placera près de l'autoroute pour suivre le convoi. Une fois qu'on suivra le convoi, on le dépassera et c'est là que Mike, qui se placera pas loin du casino, nous récupérera avec un véhicule un peu plus rapide, histoire de prendre un peu d'avance sur le convoi. Et c'est là qu'au niveau du tunnel, l'équipe C, composée de Zkowi, de Fejito et de Scosio, vous placerez juste à la sortie du tunnel. L'équipe D, Brian, le chauffeur, tu te placeras également avec eux. Dès que le bus pénitentiaire y passe, les gars, notre but, c'est de séparer le convoi en deux. Dès que le bus pénitentiaire y passe, Brian, tu coupes le tunnel, tu fermes le tunnel avec le gros camion. Comme ça, l'autre partie du convoi est séparée et on aura moins d'hommes à abattre. Dès que Brian a coupé le chemin en deux, on tire partout, les gars. On tire surtout. Pas de survivants, pas de témoins, les gars. Une fois que c'est fait, on récupère Hayden, on remonte dans les véhicules, on passe par le tunnel, on sort la sortie au niveau des ruisseaux, et là, il y aura deux bateaux qui nous attendront, et on s'enfuit par la mer. Allez, les gars, c'est parti. Allez, les gars, let's go. Go, 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 go. On libère ce Hayden. Bon, Lassalle. J'espère que t'es prêt. Ouais. Écoute, le convoi est là. Ouais. Ils vont bientôt partir. Donc, comme je t'ai dit, il y a les autres équipes qui sont déjà placées. Est-ce que vous entendez, les gars? Oui. 5 sur 5. On est là. Vous êtes prêts, les gars? Parfait. Toujours. Mike, toujours, je vous attends, c'est bon? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Vous êtes au niveau du tunnel? Ok, c'est parfait, les gars. Bon, je vous le dis, les gars, comme je vous ai dit, la prison, c'est sécurisé. C'est chaud de refaire comme on avait fait avec Lassalle. Donc là, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va attaquer le convoi. Donc, comme on a dit dans le plan, les gars, Le convoi risque de partir dans quelques instants. Donc si vous voulez être informé, les gars, il y a 3 voitures de police, il y a un gros brigade, il y a un véhicule anti-émeute et entre les deux, il y a Hayden. Ok, bon bah ça, on y va. Let's go. Ok, c'est parti. Là, je stresse, les gars. Je stresse. J'ai pas envie que... Imagine la salle, tu retournes en prison. Imagine, tu retournes en prison. T'as pas envie de ça. Ah non, je veux pas y retourner, moi. Surtout que là-bas, faut pas ramasser le savon. Ah bah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok. Faut faire très très attention, les gars. On va se placer là. Du coup, les gars, équipe Alpha, équipe Beta, on se place au niveau de la prison pour suivre le convoi par derrière et on les doublera quand je vous le dirai. Mike, c'est bon, t'es toujours en place pour nous attendre, pour nous intercepter. Ouais, t'inquiète. Ouais, je suis là. Ok. Les gars, le convoi vient de partir. On va se placer avec Lassalle. Prêt. Fais attention. Donc, on a bien les vides teintées, les gars. Ok, je vois le convoi là-bas, là. Je vois le convoi arriver. Ok, faut qu'on se place. Donc on les suit tranquille, hein. On se fait pas repérer. Ouais, ils arrivent. Ah ouais, là, on est pas repéré, là. T'inquiète, tranquille, ça va le faire. Ok, les gars, le convoi est au niveau de l'autoroute. Ils vont commencer à prendre l'autoroute dans quelques secondes. On les voit passer, donc. Il y a un 4x4 de police, une Buffalo, un autre véhicule de police, un gros 4x4 blindé, un brigade. On voit Hayden, il y a le bus avec Hayden à l'intérieur, les gars. Ok, il y a un autre brigade et il y a 3 voitures de police derrière. Ça en fait de la police. Wow, ça va être compliqué, les gars. Mais comme on a dit, les gars, on sépare le groupe en deux. Ok, on est en train de les suivre, les gars. On les suit sur l'autoroute actuellement. Je suis en place, moi, Anune. Toujours en place, Mike, c'est bon ou pas?
Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ok, on suit le convoi. Le convoi a pris l'autoroute. Il passe actuellement devant la prison. Et c'est bien un convoi de police, c'est pas le KFC. Effectivement, c'est pas le KFC. Ok, tranquille, discret, la salle, pas de geste brusque. Ouvre pas ta fenêtre. Ok, on va doubler le convoi, les gars. On double le convoi. On double actuellement le convoi. Tu es prêt, boss? Ah ouais, y a de la Buffalo. Ok, on est en train de doubler le convoi. La salle, regarde, c'est Aiden. Je ralentis. Attends, je le vois pas encore. C'est bon, je l'ai vu. Ouais, je le vois, les gars. Okay, il est habillé en orange. Dans le bus, y a pas de sécurité dans le bus, les gars. Y a juste un conducteur et y a Aiden, y a pas d'autres prisonniers, du coup. Par contre, il y a de la voiture de police, hein, les gars. Alors là, je peux vous dire qu'il y en a. Ok, on les double. Mike, on va arriver. Hein. Ok, Mike, on arrive. Là, tu vois le convoi, là. Ouais, ils sont nombreux, boss. Vas-y, go. Il est là, filou. Attends. Allez, let's go. On monte. Allez, fonce. Double convoi. On n'est pas repérés, là. Ouais, ils sont rapides, non, on n'est pas repérés, boss. On est discret, les gars. Oh là là. Ça va être tendu, les gars. Ça va être vraiment tendu, les gars. Ok. Je trace. Vas-y, bombarde. Ok, Scozio, vous m'entendez, Scozio? On est là. Zedkovi, Fegito. Ici présent. Ryan, c'est bon? Présent. Tout le monde m'entend? Ok, c'est parfait, les gars. On arrive au niveau du tunnel. On va se placer également. Le convoi va arriver dans quelques minutes, les gars. Donc, comme je vous ai dit, parfait, vous butez tout le monde. Hein. Il n'y en a pas un seul qui a envie, les gars. L'arme pas est chargée. Un seul envie. Okay, 6 pieds sous terre. Fegito, la mort, c'est la mort. Ok. Le convoi arrive. On les entend. Brian, prépare-toi à couper. Je suis prêt. Dès que tu vois le bus passer, tu coupes direct, bro. Dès que le bus y passe, tu coupes le chemin en deux. Les gars, on va libérer notre frère Redon, les gars. Ça fait un an maintenant, les gars. Quand même, on a libéré la salle. Maintenant, faut qu'on libère le collègue, les gars. Au bout d'un moment. Obligé. Ok, le convoi arrive. J'entends les alarmes. Fegito, préparez-vous. Je vais les bloquer, boss. Les gars, dès qu'on sort des voitures, vous butez, vous mitraillez tout le monde. Je veux pas un seul vivant. Ils sont là. Ok, on coupe. Mike. La mort, c'est la mort. Coupez. On tire sur tout le monde. Tirez sur tout le monde, les gars. La mort, c'est la mort. Tout le monde, on bute tout le monde. Où est le bus? Le bus est là. Stop. Tirez pas sur le chauffeur. Les gars, une autre équipe qui va vérifier derrière. Sors de là, le bus. Reviens là, brother. Sors de là, le chauffeur. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Brother, Aiden, viens avec moi, Aiden. Voilà, Aiden, va là-bas. Aiden, viens, derrière, Aiden. Qu'est-ce qui se passe? On te tue, on te tue pas. Aiden, tu veux la mort ou pas? Non. Tu nous balances? Moi, Aiden, suis-moi. Non. Derrière, tu nous balances? Oui, je vous entends. Tu nous balances? Viens, Aiden. Pas de mort. Allez, go, on monte dans les voitures. Go. Venez, les gars, vite. Aiden, suis-nous. Boss, conduis, boss. Allez, les gars, vite, y'a des renforts qui arrivent. Ça tire, les gars. Ils nous suivent. On a laissé deux empreintes là, y'a des flics, tirez. Tirez, les gars. Allez, on me suit, laissez-moi passer, Fegito. Oh là là, j'ai mis une tête. On prend le tunnel à gauche, les gars. T'as une chef, une porte. Les gars, y'a la police qui m'intercepte là. Ok. Allez, go. Aiden, on va te libérer. Aiden! Enfin libre! Aiden, show! Mais moi, j'allais balancer tout le monde, moi, là, au commissariat, là, font le truc. C'est la surprise. Comment ça, t'allais balancer tout le monde? Non, je voulais faire de la balançoire. Ah, on a eu peur. T'allais quand même pas balancer le chef la salle quand même. Non, même pas, mais vous m'avez oublié, ça fait un an. Ouais, mais tu sais, la prison elle était sécurisée donc on pouvait pas te laisser. J'espère juste que
la libération de prison va pas bugger, puisque si je reste encore un an. Boss, il manque une voiture, boss. Oh là là. Une voiture, on attend la voiture. Dis-moi, pourquoi il y a gros Tony qui parle dans c'est la bon, radio. Tout le monde est là, les gars. On est là. Aiden, t'étais dans Brian, le cœur. Brian, les gars. Brian, vous l'avez pris. Brian is the kitchen. Brian is in the kitchen ou pas, les gars? La salle, c'est bon, tout se passe bien. Ok. Ok. Aiden, la bouffe là-bas, elle était bonne ou pas, brother? Ah, j'ai mangé des brodwich. Oh là là. T'as mangé des brodwich ou t'as pas mangé des brodwich là? Parce que je peux dire, t'as pris ah la là, sauce mais Brasil, par contre, oui, mais enfin, vous me dites pas bonjour alors que moi je suis là, je purge des peines pour pas, vous. On va serrer la main tranquille là, il y a la police qui nous suit là. Ok, tranquille les gars. Doucement. Ok, discret les gars. Regardez s'il n'y a pas des. Discret, ok, on va appeler Lester, on va se mettre invisible sur le radar. On bombarde, il n'y a pas de police, on bombarde. Mais dis discret. Go, les gars. Chef, les bateaux sont devant, tout droit. Et vous me brûlez tout, hein. Vous m'explosez tous les véhicules, hein. Tous les véhicules avant qu'on monte dans les bateaux. Aucune preuve, les gars. Je veux aucune preuve, il n'y a aucun nous qui retourne en prison. Les gars, on va pas repartir quand même. On a libéré la salle, on a libéré Eden maintenant. Allez, go, les gars, go. On fonce. Les bateaux, ils sont au niveau d'où Du coup, la salle, j'ai réfléchi hein, durant mes un an. Du coup, je sais qui sus qui. Ah, alors c'était qui? Eh bah, c'est Anuin. Oh, à gauche, Anuin, à gauche. Ah, j'ai mis un an à réfléchir, mais du coup, c'est bon. Ok, venez. Ne me dites pas. Sortez, tout le monde sort. C'est bon, je suis prêt. Je colle les C4. Allez, coller les C4. Allez, montez avec moi. Montez avec nous, Aiden. Ah, j'y suis. Non, c'est pas celui-là, c'est pas celui. Ah, ok. Bah, les bombes sont placées. Monte, brother, monte. La salle monte. Filou, monte. Ouais, c'est bon, go. Monte, chef. Let's go. La liberté pour voilà Aiden Show. Les liberté. Liberté. Attends. Anuin. Dis-moi. Continue, mais deux secondes parce que j'ai une envie de vomir là. Ah, ça c'est les blasphèmes. Ouais. Est-ce que tu peux vomir dans le bateau, hein? Commence pas à vomir dans le bateau. Hein. Attends, arrête là parce que j'ai une envie de vomir là.